tout le monde, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous dire que si vous n'avez jamais vu cette série, si vous ne connaissez pas du tout cette série, vous n'allez rien comprendre à cette vidéo, puisque je vais parler aujourd'hui des personnages de la série. J'ai mis dans un petit récipient pas mal de papier, je sais pas si vous voyez, mais il y en a quand même une bonne quantité, avec les prénoms des personnages. Donc j'ai mis les personnages principaux, des personnages secondaires, même des personnages plutôt tertiaires, j'ai pas non plus mis ceux qu'on voit très très peu, mais j'ai mis quand même une bonne soixantaine de persos, je pense, ou une bonne cinquantaine. Et en gros, je vais en tirer deux à chaque fois et je vais dire lequel je préfère. Je sais que ça pourrait être un concept intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, plutôt du coup aux personnes qui connaissent Once Upon a Time. Mais j'espère que cette vidéo quand même vous plaira et je vous laisse avec la vidéo. Donc je vais essayer de quand même de mélanger un peu et surtout de ne pas regarder parce que là, ils sont pliés mais je vois un petit peu les noms, on va dire. Voilà, donc je vais essayer de ne pas regarder pour avoir un peu l'effet de surprise quoi. Le premier que j'ai pioché, c'est Maléfique. Et le deuxième que j'ai pioché... Robin. Alors entre Maléfique et Robin, je préfère Robin. Je vais pas vous expliquer à chaque fois pourquoi, sinon ça serait beaucoup trop long. Le deuxième que j'ai pioché, c'est Graham. Et Tiana. Je préfère clairement Graham. Aucun suspense. J'adore Graham. On ne voit pas beaucoup dans la série, pour ceux qui savent, mais voilà. Arthur. Et Catherine. C'est deux persos que j'aime pas tellement. Mais je dirais Catherine parce que Arthur, je l'aime vraiment pas du tout. Ensuite, on a Regina. Bon, peu importe qui je piocherai d'autre, c'est sûr que ce sera Regina la réponse. Et Granny. Bon, okay, clairement, c'est Regina. Si j'avais pioché Emma, par exemple, j'aurais peut-être eu plus de mal. Enfin, ça aurait été Regina quand même, mais voilà. Isaac ou Roland. Je préfère Roland parce qu'il est trop mignon. Et puis Isaac, je l'aime pas du tout. Réponse saison 7. J'ai pas mis celle de la saison 3 parce que je trouve qu'on la voit pas beaucoup. Et Peter Pan. J'aime aucun des deux. Mais je dirais réponse de la saison 7 parce que Peter Pan, je le déteste. Whale, donc Frankenstein. Et Philippe, donc le mec de Aurore, le prince de Aurore. Je dirais Philippe parce que j'aime aucun des deux, mais j'aime encore moins Whale. Donc Henri. Donc Henri, le fils de Regina Emma, parce que j'ai aussi mis le père de Regina, mais voilà. Ou Jasmine. Bon, Henri, clairement. Pas trop de suspense, hein. Daniel. Ou Ingrid. Je dirais Ingrid, j'ai du mal avec Daniel, je sais pas pourquoi, pourtant il est hyper gentil, puis il a un lien avec Regina, mais j'ai toujours du mal avec lui. Alors, David ou Clochette, clairement David, c'est mon troisième perso principal préféré de la série. Regina, Emma, David, c'est mon trio, je dirais David sans hésiter. Henri, justement, senior, donc le père de Regina, ou Merlin, je dirais le père de Regina, je l'aime bien, il est mignon, enfin je sais pas, il est chou, genre il est trop gentil et tout. Blanche. Ou Tamara, Blanche, sans hésiter, je déteste Tamara. Emma ou Auguste. Oh, je dirais Emma, évidemment, mais j'aime beaucoup Auguste aussi. Ruby, j'aime beaucoup Ruby. Ou Robin. Robin, quand même. Mais j'aime beaucoup Ruby aussi. Anna ou Mérida. Anna, parce que j'aime bien, elle est marrante. Enfin, elle est marrante dans le sens où elle est complètement... pas très futue, donc elle est marrante. Et Mérida, j'ai un peu du mal aussi. La fée noire ou Jefferson. Deux persos que j'aime pas trop. Je dirais Jefferson quand même. Mais je les aime pas trop tous les deux. Donc ça, je vois pas grand chose. Will Scarlett ou Belle. Je dirais Belle, mais vraiment parce que j'aime pas Will. Parce que Belle, pareil, j'ai vraiment du mal avec son perso. Jetkill. Donc un des deux doubles, celui-là qui a des lunettes, ou Rumpel. Rumpel, quand même. Quand même. La fée bleue, ou Greg. Je n'aime pas du tout Greg, comme je n'aime pas du tout Tamara, surtout que Greg fait énormément de... Enfin, il n'est pas très sympa avec Regina, bon, elle n'a pas été très très gentille avec lui non plus dans le passé. Mais je dirais la fée bleue quand même. Alice, personnage que j'aime beaucoup dans la saison 7. Ou Facilier, perso de la saison 7 aussi. Je dirais Alice, largement, parce que j'aime bien Facilier aussi, mais Alice, je l'aime beaucoup, c'est mon coup de cœur de la saison 7. Jacinda, décidément, on est dans la saison 7 là. Ou Elsa. Elsa. J'ai du mal avec Jacinda, je trouve qu'elle est un peu niaise, quoi. Je trouve qu'Henri, il aurait mérité mieux comme fiancée, comme femme, donc ouais, j'ai un peu du mal. Cruella. Ou Kylian. Kylian. J'aime beaucoup Cruella, c'est un personnage que j'aime bien dans la série, quand même pas beaucoup, j'ai l'impression que j'aime bien, mais bon, crochet quand même. Aurore, que je n'aime pas du tout, je trouve qu'elle sert vraiment à rien, mais bon. Ou Christophe, donc le mari, enfin le mec de Anna, je dirais Christophe parce que j'aime vraiment pas Aurore, mais voilà, aucun des deux on va dire. Hooper, donc le criquet, ou
Lucie. Lucie. Même si pareil, je la trouve un peu niaise, mais Lucie quand même. Mulan, que j'aime pas mal. Ou Nil. Ah, Nil, quand même. J'aurais pu dire Mulan, mais contre Nil, non, Nil, je l'aime beaucoup. Donc. Violette. Ou Lancelot. Violette, parce que Lancelot. Hein. Voilà, puis j'aime bien Violette. J'aimais bien Henri avec Violette. J'aurais préféré d'ailleurs que Henri finisse avec Violette dans la saison 7 plutôt que Jacinda pour le coup. Ou avec Ivy aussi. Je l'aurais bien vu avec Ivy, mais bon, voilà. Ursula ou Ivy. Justement, j'irais Ivy parce qu'Ursula, des trois Queen of Darkness, donc Cruella, Maléfique, Ursula, c'est celle que j'aime le moins. Je trouve qu'elle a pas tellement d'intérêt dans la série. On la voit. Elle est pas beaucoup développée, je trouve. Cora ou Gideon. J'ai beaucoup de mal. Alors Gideon, je peux pas me le voir. Vraiment, c'est comme Peter Pan, c'est pareil. Mais ouais, je dirais Cora quand même. Franchement, je dirais Cora, même si j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Cora, parce que par rapport à tout le mal qu'a fait Regina, le fait que c'est quand même à cause d'elle, en partie, en très grande partie, que Regina est devenue ce qu'elle est devenue et qu'elle a souffert, etc. Mais je dirais Cora parce que Gideon, c'est pas possible. Lily, donc la fille de Maléfique, ou Zelena. Zelena, sans gros suspense. J'aime beaucoup Zelena, même si pareil. Dans les premières saisons, on la voit, je l'aime pas du tout parce que pour tout le mal qu'a fait à Regina et tout ça. Mais quand même, par rapport à Lily, voilà. Leroy, donc Grincheux. Ou Ariel. Je dirais Grincheux. J'aime bien ses répliques, des fois, il est marrant. Puis Ariel, c'est pareil, on la voit pas énormément. Aladdin, j'ai eu du mal à me relire. Ou Gothel. J'aime pas tellement les deux, mais je dirais Aladdin parce que c'est gentil. Et enfin, les deux derniers prénoms. Du coup, je ne sais pas du tout qui c'est. Hyde, donc le double de Jekyll, ou Hadès. Eh bien, je n'aime aucun des deux, mais je dirais Hyde, parce que Hadès, Peter Pan et Gideon, c'est vraiment mon trio que je n'aime pas du tout, mais mon trio vraiment de trois persos que je déteste. Surtout, si jamais vous avez vu la série, je ne ferai pas de spoil pour ceux qui n'ont pas vu toute la série, si jamais il y en a. Mais pour ce qui se passe entre Hadès et Robin, rien que pour ça, clairement, je ne peux pas choisir Hadès. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si elle sera longue, si elle sera courte, si voilà, j'en sais rien du tout. N'hésitez pas à me dire vous, vos persos préférés, les persos que vous n'aimez pas, si vous êtes d'accord avec des choses que j'ai pu dire dans la vidéo ou pas. N'hésitez pas à me dire tout ça, ça me ferait très plaisir d'en parler avec vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais plein plein de gros bisous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!